Il tourne à travers son bureau régional au Maroc, qui couvre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, est un acteur principal dans la transition énergétique et un acteur principal dans cette phase que connaît le Maroc avec la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Donc il y a de l'infrastructure, il y a beaucoup de bâtiments qui vont être construits, il y a beaucoup de choses et notre présence ici nous permettra clairement d'accompagner le Maroc dans ce progrès. Cette usine, comme vous l'avez vu, développe et produit beaucoup de solutions qui sont dans la transition énergétique. Donc ça nous permet d'être proche du partenaire marocain, proche du partenaire africain, et ça nous permet surtout de suivre ce pays dans son progrès. Avec Eaton, on est sûr de bien servir, on va dire, le partenaire dans cette transition énergétique et le plus fiable possible. Donc le site Eaton au Maroc, ici, donc, on fabrique pas mal de produits concernant essentiellement la transition énergétique. Donc on a parlé de EV chargers pour les voitures électriques, on a parlé de stockage énergie. C'est vraiment du made in Morocco. Donc on a aussi pu développer le local sourcing pour qu'on puisse augmenter notre taux d'intégration. Donc c'est aujourd'hui c'est une fierté en fait pour Eaton, et on essaie de rendre en fait ce site comme un hub en termes de production des solutions énergétiques. Donc que ça soit pour le Maroc, que ça soit pour l'Afrique, que ça soit pour l'Europe. Comme on a discuté ce matin lors de la présentation, donc Eaton elle emploie pratiquement 1200 personnes au Maroc. Donc on a deux usines de production. Il y a une usine qui est à Tanger et puis une usine ici à Casablanca. Et puis on a le sales office effectivement qui s'occupe de toute la partie vente. Aujourd'hui sur le site de Casa, nous sommes sur un terrain de 14 000 mètres carrés. On a encore des possibilités justement d'extension dans le futur. On travaille sur pas mal de projets qui sont en cours. Et nous sommes 450 employés actuellement. Donc l'avenir du site, franchement, il est prometteur. Donc on travaille sur ces projets-là avec le groupe qui nous supporte vraiment pour aller de l'avant et permettre justement à ce site d'être plus ou moins un hub pour la région MIA.